Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pime ton CV. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au port de Saint-Ca. Donc nous allons interroger Clément ainsi que Madame Rimbaud, sa responsable. Allons-y. Alors voilà, je m'appelle Clément, j'ai 27 ans, ça fait 3 ans que je travaille ici. Donc il y a deux saisons, donc la haute saison et la basse saison. Donc l'hiver, c'est beaucoup de maintenance. Donc par exemple, réparer un robinet, changer une borne. Et l'été, c'est beaucoup d'accueil de plaisanciers. Donc on accueille différents types de bateaux et on les place en fonction des longueurs et des tirants d'eau. Alors, la journée type en saison, c'est d'accueillir les usagers, donc prendre le Zodiac. Et on accueille les usagers sur le plan d'eau de 8h à midi et de 13h à 21h. L'hiver, c'est beaucoup de maintenance, de vérification, d'entretien. Je suis amené aussi également à gruter les bateaux, manutentionner les bateaux. Les prises de rendez-vous avec les clients pour savoir quand ils veulent le sortir et le remettre à l'eau. Alors pour exercer ce métier, je pense qu'il faut beaucoup de polyvalence, beaucoup de disponibilité. On est amené à travailler les jours fériés, les dimanches, avoir un bon sens du relationnel avec les usagers, essayer de répondre à toutes les questions. En me concernant, je suis maître de port de Saint-Ca pour la partie plaisance. Le port de Saint-Ca est géré par la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor. C'est un port qui a 825 places sur ponton, 180 sur bouée et on a une trentaine d'unités de pêche. De l'accueil des bateaux l'été et l'hiver, de la maintenance des équipements, mais aussi le levage des bateaux pour réaliser leur entretien. Nous, on recrute plus en juillet-août. Le recrutement pour le port de Saint-Ca, c'est plutôt limité. Pour les autres ports, oui, il y a toujours des recrutements. Ça recrute, mais pas forcément sur le secteur. Alors, il faut surtout avoir des connaissances du milieu marin, connaissances techniques, bon, ça s'apprend. Il faut avoir le permis mer si possible, mais ça peut être également fait par la suite. Mais les qualités, ça va surtout être la polyvalence, la capacité d'adaptation, le relationnel avec les clients. Et puis l'envie d'apprendre pour les jeunes qui voudraient se former à ce métier, parce qu'il y a énormément donc, de métiers différents. Et voilà, donc nous étions au port de Saint-Ca avec Clément ainsi que Madame Rimbaud, sa responsable. On les remercie très sincèrement pour leur participation, ainsi que toute l'équipe d'ailleurs. Donc quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.